Elle est trop fâchée, même infondable. Je suis venue te dire que celle qui vit en France, là, ils sont toujours ensemble, hein. Ils n'ont pas arrêté, ils sont toujours ensemble. Ah, comment ça, c'est bouche de garçon? Mais ils sont ensemble, ils sont allés manger au Phuket, alors que Laura, il apprend par là en boîte de nuit. Moi, c'est ça, oh. C'est ce que moi, je sais, je suis venue dire. Ah, tata, faut pas te fâcher, c'est le vrai. C'est pour ça que tu es fâché. La promue de l'année passée, là, c'était Laura, il était là-bas. Donc, si je comprends bien, la maman joue un double jeu. Influenceur, laisse-la parler, je renvoie à la maman. Pardon, je vais tomber. Influenceur, je t'avais dit ça, non. Je t'avais dit ça, non. Attendez, la maman, chez vous, là, la maman de Amanda Apoutu, là, elle ne connaissait pas Laura. C'est aujourd'hui, elle a connu Laura. Même mais la maman de Amanda Apoutu a mis une photo de Laura. Elle dit que c'est elle qui connaît. Il faut me répondre, Chez vous, là, c'est aujourd'hui la maman de Laura, elle a connu Apoutu, où elle est enceinte, là. Est-ce que moi je suis là-bas? C'est toi qui vas venir me dire, puisque toi tu es là-bas. Non, le gars, c'est respecté sur les réseaux. Hein. Chez vous, là, c'est aujourd'hui, elle a vu la fille, même telle ancienne. Mais elle a mis la photo, elle dit que Laura, nous, elle n'aime pas. Hein. C'est l'autre qu'elle veut. Elle n'a pas dit, la maman d'après, tu n'as jamais dit à quelqu'un qu'elle n'aime pas Laura. Hein. Elle c'est ce qu'on a vu sur les réseaux. Elle dit que c'est elle qui est la première dame. Elle ne veut pas que son fils soit maudit. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas mis en tout cas, elle n'a pas mis photo de Laura. Elle n'a pas mis félicitations. Elle dit, tata, écoute-moi, il y a quoi? Attends, elle te donne les infos. Tu es fâché. Pourquoi tu te fâches? Faut pas te fâcher. Sinon, si c'est une politesse, à nous tous, on a ça, hein. Je suis de très bonne humeur ce matin. J'ai dit, photo de Laura, là. Même accouchement de Laura n'est pas sur la page de Maman Bleue Brigitte. Elle a mis la première dame. C'est la première dame qui est là-bas. Tu as compris? C'est la première dame qui est là-bas. Donc, on dirait que Laura t'a envoyé pour venir nous mentir. Jean, tu veux dire que Maman Bleue Brigitte est hypocrite. Alors que nous, on sait que Maman Bleue Brigitte n'est pas hypocrite. Tu viens, tu montes sur tes airs. On dirait que ça tremble devant quand là-bas. La première dame, là, c'est elle qui a pris le brassard. C'est ce que je voulais te dire. On n'a pas vu. Sinon, Laura a fait vlog. Elle dit, j'ai accouché. J'ai fait la chambre de bébé. Maman Bleue Brigitte n'a pas republié. Elle n'a même pas mis ça sur son Facebook ni sur aucun réseau. Toi, tu viens, tu dis que c'est elle qui lave le bébé, que c'est elle aime Laura. Elle connaît Laura depuis le début. Nous, on sait que Maman Bleue Brigitte n'est pas hypocrite. En tout cas, on sait. Pourtant, sur TikTok de la première dame, là, Maman Bleue Brigitte est là-bas en tas. Hein? Elle est là-bas en tas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas serein du côté de Laura. Vous n'êtes pas serein. Voici ma question. On est là pour polémiquer. Et puis carrément, tu dis que non, vous vous levez le matin sur Laura. Laura a mis sur sa page personnalité publique. Elle est publique. Apoutu est publique. Maman Bleue Brigitte est publique. On va sauf que décortiquer. Et puis chacun va donner son avis. Si toi, tu n'aimes pas Gberet, et puis comment tu connais quand tu es monté, tu as dit influenceur. Tu me connais, donc tu suis Gberet. Pour les autres, là, c'est doux. Maintenant, pour ta soeur, là, ce n'est pas doux. Tu ne sais pas que Gberet, là, c'est chacun à son tour. C'est chacun à son tour. Donc, tu n'as pas venu te donner un genre et une fille devant les gens. Attends, Jean va te donner un genre. Oui, ma soeur, le matin, vous vous réveillez. Moi, c'est mon travail. C'est Maman Nagberet. Maman Nagberet, maman n'a 4 combats gagnés. Je gagne tous mes combats. Donc, tu vas prendre ton petit cuir clair là et puis tu vas descendre de mon live. Mal élevé. Vous êtes vraiment une famille de mal élevé. Vous êtes mal éduqué. Et là, tu viens de me prouver que Laura est d'une mauvaise. Merci, tata. OK.